Est-ce que ça vous arrive parfois, en tant qu'entrepreneur, d'être bloqué et de ne pas arriver à passer à l'action, de manquer d'organisation, voire de procrastiner? Qu'est-ce qui amène ce genre de situation? Ben, j'ai pu observer qu'effectivement, dans la clientèle, ou voire moi-même, dans certains moments, ce qui fait que je suis bloquée dans mon organisation, que je pars dans tous les sens, c'est que je ne sais pas concrètement et spécifiquement ce que je veux. C'est que je n'ai pas clarifié pourquoi je dois agir, pour qui je dois agir et qu'est-ce que je veux concrètement qu'il se passe dans mon organisation, dans mon business, pour pouvoir agir de manière fluide. C'est pour ça que cette cloche, elle est importante pour se rappeler, lorsque l'on planifie dans son agenda, ben justement, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va permettre d'atteindre la vision? Qu'est-ce qui nourrit la vision? Et rapidement, de pouvoir clarifier aussi qu'est-ce qui fait que je me rajoute des tâches qui sont inutiles, qui me donnent la sensation de me fatiguer, qui me donnent la sensation de me détourner finalement de mon cap. Et dans ce cas-là, je retire ça de l'agenda. Je connais des entrepreneurs qui sont très doués pour remplir au maximum l'agenda en ayant ce sentiment de puissance qui est « je suis hyper important parce que je suis débordée, je suis sollicitée de partout, je me sens vivant, je me sens important et du coup bah, j'ai une journée hyper bien remplie mais j'arrive le soir, je suis crevée, je suis exécrable dans mes rapports, voire je réponds pas systématiquement aux clients, je laisse parfois les devis s'entasser dans la bannette et j'ai pas envie d'y répondre, j'oublie de rappeler des clients ou des partenaires parce qu'il y a une saturation de l'agenda et un manque de clarté sur ce qui est vraiment important en termes d'actions qui vont nourrir la vision et puis en termes d'actions concrètes qui vont permettre d'avancer. Si je bloque dans mon agenda relance client, mais que dans ces relances clients, je ne dis pas spécifiquement Jacques, Paul, Henri et Marcel que je dois relancer pour faire le point sur tel et tel sujet, bah du coup, je sais que j'ai des relances clients à faire, mais je ne sais plus pourquoi et je n'ai pas la motivation à passer à l'action. Bien souvent, ce que j'observe, c'est que dans les problèmes d'organisation ou de procrastination, c'est juste un manque de clarté, un manque d'alignement avec la grande vision et ce pourquoi je le fais. Et puis bien sûr, le truc et astuce, c'est de le mettre dans son agenda. Si ce n'est pas posé dans l'agenda, c'est oublié. Et quand c'est posé dans l'agenda, moi j'aime bien aller encore plus loin en notant spécifiquement ce que je dois évoquer. Si je me mets une relance client, si je me mets un suivi de vie, si je mets des éléments concrets et les éléments sur lesquels je vais avancer concrètement pendant ce moment-là. Sinon, là, il y a encore un moment de latence, mais j'ai posé une tâche, je ne sais plus pourquoi, déjà. Tout ça pour laisser du temps dans son pilotage entrepreneurial, de ne pas systématiquement saturer son organisation, parce que la vie entrepreneuriale, c'est plein d'aléas, c'est plein de changements, et d'avoir des plages aussi qui sont off, où je vais pouvoir justement être à l'écoute d'un collaborateur, être disponible pour certains clients, certains partenaires, c'est aussi super important. Dites-moi comment ça résonne, ça pour vous. C'est un sujet vraiment qui est ressorti dans le sondage des entrepreneurs sur l'organisation, cette notion de multitask là, à partir dans tous les sens, parce qu'il y a cette sorte d'excitation à avoir plein de choses à faire, mais qui font que finalement, c'est aussi une manière de se détourner de la valeur ajoutée que vous allez apporter et puis surtout de la vision sur laquelle vous êtes concentré. Hâte de lire vos commentaires. Je suis vraiment excitée de lire vos commentaires sur ce sujet. Et puis, je vous retrouve demain. À très vite.